Hello à tous, bonjour. Et aujourd'hui, le sujet, c'est écoutons davantage nos enfants. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, les enfants qui viennent au monde ont un savoir qui nous dépasse. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les entendre. C'est pas évident de se faire remettre en place par son enfant ou qu'il nous dise des choses qui nous semblent complètement aberrantes. Et dans ce cas-là, c'est ouais, ça va, tu dis n'importe quoi, allez, vas-y, tu me saoules, va dans ta chambre, va jouer, fous-moi la paix. Eh bien, faudra peut-être les écouter. Oui, parce que au final, le respect commence déjà par le fait de les écouter. Si on veut que les enfants nous respectent et qu'ils respectent leurs camarades d'école, bah, il faudrait déjà à nous qu'on apprenne à les respecter, c'est-à-dire à les entendre. Écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce que c'est parfois très très judicieux et leur savoir peut nous apporter quelque chose, parce que il est incontestable que les enfants qui naissent depuis un certain temps ont un savoir que nous on n'a plus. On l'a oublié, on l'a mis de côté. On se dit, nous, en tant que parents, on a la connaissance, on sait ce qu'il faut, ce qui est bien ou ce qui est pas bien pour nos enfants. C'était vrai ou pas. Chacun voit ça comme il veut. Pour ma part, le rôle d'un parent est d'encadrer l'enfant. Alors oui, il faut le protéger, bien sûr qu'il faut le protéger, il faut l'encadrer, mais ne pas lui dire tais-toi sans arrêt, tu sais rien. C'est pas vrai. Si vous écoutez bien vos enfants, si vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire, si vous écoutez le message qu'il y a sous chaque histoire qui vous semble un petit peu abracadabrante, vous verrez qu'il y a un message en dessous. Il y a un message. À vous de l'entendre ou de ne pas l'entendre, de vouloir l'écouter ou ne pas vouloir l'écouter. Tout cela dépend de vous. Mais le principal, c'est que si vous voulez que votre enfant soit respecté à l'école, si vous voulez que votre enfant respecte ses camarades de l'école, si vous voulez avancer tout simplement, écoutez-les. Écoutez-les. Ils ont un cœur qui déborde d'amour. Ils sont prêts à se sacrifier pour ses parents parce qu'ils les aiment au détriment de eux-mêmes. Pardon. Au détriment d'eux-mêmes. C'est malheureux parce que si on ne les écoute pas, si on ne fait pas attention à ce qu'ils disent, ça fait des enfants qui manquent de confiance parce que leurs parents ne leur font pas confiance. Et donc, c'est des enfants qui manquent de confiance parce que quelle est leur première base? Quelle est les personnes qu'ils voient tous les jours et en qui ils ont besoin qu'ils aient confiance? C'est les parents. Nous sommes là pour donner la confiance dont a besoin un enfant pour s'épanouir, pour avancer, pour évoluer. Si nous l'écoutons pas, si nous lui disons d'entrée que tout ce qu'il dit c'est des bêtises et que ça ne rime à rien du tout, l'enfant, il va rester dans sa chambre, il va se cantonner, il va se dire, bah ouais, mais de toute façon, mes parents, ils disent que je raconte que des bêtises et donc, ça sert à rien. C'est pas la peine que je me casse la tête parce que ça sert à rien. Au contraire, en écoutant votre enfant, il va gagner de l'assurance, il va gagner de la confiance. Et il va continuer dans son évolution avec beaucoup plus d'amour, de respect et de partage envers les autres. Et c'est ce qu'on demande actuellement. Et c'est ce dont on a besoin. Et c'est exactement ce qui fera que nos enfants auront assez confiance en eux dans le futur afin de pouvoir changer tout ce qui ne va pas au final. Tout ce qui va pas parce que il y a beaucoup de choses à changer. On peut pas tout changer. Effectivement, on peut pas tout changer. On n'est pas apte. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en charge pour nous.
que ce soit le créateur, le grand tout, qui se charge de faire ce qu'il faut. Mais nous devons absolument faire en sorte de l'aider, de faire avancer les choses et d'aider nos enfants aussi, parce que c'est eux qui auront la tâche de rééquilibrer un peu ce monde et de faire en sorte qu'il soit meilleur par la suite. Donc, si nous voulons que les choses changent, premièrement, on change nous déjà. On change notre façon de voir, on change notre façon de penser, on change notre façon d'aborder nos propres enfants. Deuxièmement, respectons leurs idées, même tout petit, même tout petit. Respectons leurs idées. J'ai un cheveu là qui me gêne depuis tout à l'heure. Voilà. Respectons leurs idées, même si ça vous semble pas cohérent, si ça vous semble idiot, si ça vous semble... Écoutez-les, écoutez-les. Respectez-les dans ce qu'ils disent. Et si vous voulez être respecté, bah, respectez vos enfants aussi. C'est primordial. Et du fait que vous les respectez, bah, ils sauront que comment respecter les camarades et comment ne pas trouver en classe un enfant qui n'est pas comme les autres, marginal. Parce que ses parents lui auront dit qu'il n'y a pas d'enfant différent, enfin, qu'il n'y a pas d'enfant marginal, il y a des enfants différents, mais que ces enfants différents sont en fait un cadeau et qu'il faut les respecter comme on respecte n'importe qui. C'est un peu brouillon là, tout de suite maintenant, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être dit. Ça fait un moment déjà que ça me travaille, parce que j'écoute beaucoup mon fils. Et en fait, je me dis que juste en l'encadrant, en lui faisant comprendre, voilà, il y a ça, ça c'est pas trop cool, tu sais, c'est pas trop cool. Ça, par contre, ouais, c'est mieux, mais ça, c'est pas trop cool. Pas en lui imposant, mais en... rien qu'en lui faisant comprendre que voilà, non, là, c'est pas cool. C'est peut-être ton idée, mais c'est pas cool, là, ça va pas trop. Pas en étant, en disant, oui, ça bon, va-t'en, non. Écoutez-les, voilà, écoutez-les, écoutez vos enfants. Ils ont beaucoup à vous apprendre, écoutez-les. Voilà, c'était mon petit message aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère que je ne passe pas trop pour une ahurie. Et que ces vidéos vous aideront. Je vous partage donc mon vécu depuis la nouvelle étape. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi. Et pour être respectés, respectons nos enfants. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.